ពលរដ្ឋដែលមានគ្រួសារប្រកបណាចិត្តជាម្ដងហើយសូមអញ្ជើញគួរយកគេពីប្រយតាមកន្លែងរៀនខ្លួនសូមអរគុណយកទៅទុកវិញពីព្រោះទៅក្រោមពីគណៈកម្មការដែលចាត់ចែងហើយនឹងសូមដើម្បីនឹងសន្តិសុខសូមមេត្តាកុំថតពីព្រោះថាយើងមានគណៈកម្មការសម្រាប់
messieurs les journalistes, messieurs les correspondants de presse. Le prochain à Paris qui va sceller le retour vers la démocratie du Cambodge, puis votre retour personnel dans votre pays. Quels sont vos sentiments personnels? Je suis extrêmement heureux et ému de me trouver en France à la veille de mon retour en ma patrie bien-aimée, le Cambodge. En fait, je suis toujours restée en contact avec mon peuple, avec mon pays, et cela malgré le soi-disant exil de Norodom Sihanouk, car pendant la guerre de 1970-1975, j'ai pu aller rendre visite au Cambodge. C'était en pleine guerre, c'était au mois de mars, je pense, 1973. Ensuite, à la tête de la résistance cambodgienne, il m'a été permis de rendre visite à mon peuple en zone appelée zone libérée. Et c'était entre 1979, en fait 1982, plutôt en 1982 et 1990. Et sous le règne de M. Pol Pot, j'étais son prisonnier. Entre décembre 1975 et le 6 janvier 1979. C'est pour vous dire que je n'ai jamais perdu contact avec le Cambodge et le peuple cambodgien. Et ma grande passion, c'est le Cambodge. Ce sera ainsi. Mais retrouver Phnom Penh, notre capitale, c'est pour ma femme, pour moi, un événement de première importance. Et pouvoir résoudre ce problème du Cambodge grâce à l'aide de la France, des Nations Unies, de tous les pays amoureux du Cambodge et du peuple cambodgien. Cela est pour nous vraiment une récompense extraordinaire eu égard à notre dévouement sans faille au peuple cambodgien et au Cambodge. J'ai toujours défendu l'indépendance du Cambodge. J'avais beaucoup fait pour que notre pays fût moderne, pour édifier un Cambodge moderne. Et dans les domaines de l'éducation nationale, je dois souligner que j'avais beaucoup fait pour l'éducation nationale, la santé publique, l'infrastructure, l'équipement général du Cambodge, l'industrialisation, la politique de l'eau, c'est-à-dire l'irrigation pour notre agriculture, la diversification des cultures. Mais maintenant, il faut tout recommencer puisque notre pays, après 21 ans de guerre et de misère, est très ravagé. Nous avons recouvré l'indépendance cette année, la dignité, l'honneur, mais il nous reste à réhabiliter notre peuple meurtri
et à reconstruire notre pays ravagé. C'est une grande tâche, mais cela ne m'effraie pas. J'avais très peur de mourir avant de voir le Cambodge renaître à l'indépendance, à la liberté, avec l'unité nationale, la réconciliation nationale. Mais maintenant, c'est fait et je dois rendre hommage aux Nations Unies, à son secrétaire, au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à la France, au président François Mitterrand qui avait pris l'initiative de convoquer une conférence internationale sur le Cambodge en 1989. Et c'est le couronnement de son œuvre ce mois-ci. Et je dois rendre hommage à tous les peuples, le peuple français en particulier, et tous les peuples, les autres peuples qui, dans le monde, nous ont soutenus, nous ont aidés, nous ont encouragés pour arriver enfin à réaliser notre rêve. Monseigneur, êtes-vous certain que la paix est revenue pour durer, d'une part, et d'autre part, il y a une question qui émeut une partie de l'opinion occidentale, c'est le fait de savoir que dans le Conseil national suprême, il y a deux représentants des Khmers rouges qui sont responsables du génocide du peuple cambodgien. Monsieur Hun Sen et son parti, qui sont très anti-Khmers rouges, ils ont accepté. Son Excellence Khieu Samphan et Son Excellence Son Sen, deux Khmers rouges, dans notre Conseil national suprême. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les Cambodgiens doivent réaliser leur unité, réaliser la paix. Et la paix ne peut pas se faire avec la haine, l'esprit de vengeance. Et nous sommes bouddhistes. Oui, il y a parmi mes compatriotes aussi des musulmans, des chrétiens. Mais les religions, quelles qu'elles soient, préconisent la tolérance, l'amour du prochain, le pardon. Vous êtes chrétien, je crois que vous savez ce que c'est que ça, le pardon, la tolérance. Alors, nous n'avons rien oublié de nos souffrances. Ce n'est pas une question d'oubli, mais c'est une question de réalisme national. Il faut que le Cambodge recouvre la paix, et la paix ne peut pas se faire sans l'inclusion des Khmers rouges dans notre communauté nationale. Alors là, on fait d'eux des gens responsables, conscients de leurs responsabilités face à l'histoire, face à la nation. Ils sont conscients de leurs erreurs et ils sont conscients de leurs devoirs. Leur devoir consiste à faire comme les autres. Alors, ils ont souscrit à toutes les clauses du traité de paix que nous allons signer le 23 octobre 1991 en la très haute présence du président de la République française. Il y a assez de garanties dans ce plan et la garantie sera aussi assurée par l'autorité intérimaire de l'ONU. Quelle garantie? Garantie de respect des droits de l'homme. Garantie de contrôle très strict de toutes les zones, en particulier les zones Khmer Rouges. Ils ne pourront pas faire la pluie et le beau temps dans leur zone. L'UNTAC sera partout. Je serai aussi avec l'UNTAC. Je serai toujours avec le représentant spécial des Nations Unies, avec l'UNTAC, c'est-à-dire l'autorité primaire des Nations Unies au Cambodge. Je serai avec Amnesty International, je serai avec le Comité international de la Croix-Rouge, je serai avec les agences d'aide humanitaire. Déjà, nous avons commencé ensemble nos travaux depuis la Thaïlande jusqu'à New York. Et ici, en France aussi, nous continuons nos travaux. Je serai avec tous ceux-là qui veulent que le Cambodge soit une véritable démocratie,
Et alors les Khmers rouges devront être comme les autres. Ils ne seront pas différents des autres. Personne ne leur permettra d'être différents des autres. Et eux-mêmes, ils m'ont juré qu'ils seraient comme tous les autres Cambodgiens qui sont épris de liberté. Et aussi, permettez-moi de le redire, d'union. L'union nationale est vitale pour nous. Nous ne pouvons exclure personne. Il n'est pas possible de faire des Khmers rouges des rebelles. Il vaut mieux faire des citoyens à part entière. Comme cela, ils assumeront avec nous toutes les responsabilités en tant que peuple conscient de ses devoirs. Monseigneur, quel message adressez-vous aujourd'hui à vos compatriotes qui sont au Cambodge même et à ceux qui sont réfugiés? Les réfugiés, je m'en occupe avec le Haut Commissariat aux réfugiés, avec le Comité international de la Croix-Rouge. Nous avons travaillé ensemble. Alors, il y a certaines choses à faire a priori. Le déminage et du Cambodge qui est truffé de mines, il faut éviter aux réfugiés des accidents. Deuxièmement, il faut mettre sur pied des camps d'accueil. Et je me permets de vous dire, même que je conseille aux commissaires, aux réfugiés, de mettre ces centres d'accueil en zone Hun Sen. En zone Hun Sen, parce que les zones Hun Sen sont très vastes. Et puis, on ne risque pas de se retrouver devant les Khmers rouges, n'est-ce pas? Et puis, il y a les rivières, il y a les étangs, il y a les lacs, il y a les fleuves. Alors, nous manquons d'eau. Il ne faut pas que ces camps soient loin des fleuves, des rivières. Alors, en zone Hun Sen, on a tout cela. Et on a la sécurité pour les réfugiés. Ensuite, il faudra les recaser dans la communauté internationale, trouver des emplois. Aussi, ceux qui veulent retourner en leur village, ils le feront librement. Mais il faut éviter l'anarchie. C'est pourquoi nous avons un programme pour le recasement des réfugiés. Je leur ai déjà adressé un message en Khmer, très longuement d'ailleurs, de New York. Ce message est arrivé aux réfugiés, donc ils savent que je me préoccupe de leur sort et de leur sécurité. Et ceux qui veulent rester en Thaïlande, il ne faudrait pas les obliger à revenir au Cambodge. C'est le libre choix, c'est l'autodétermination pour tout le monde, pour les réfugiés comme pour les autres Cambodgiens. Je me permets maintenant de vous demander de bien vouloir me rappeler votre deuxième question. Alors, il s'agissait des réfugiés et puis il s'agit... Et vos compatriotes qui sont au Cambodge même, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Vous savez, nous sommes en contact par M. Hun Sen, M. Hon Am Hong, leurs excellences Hun Sen et Hon Am Hong sont mes intermédiaires. Je leur ai passé des messages déjà. Ils savent que je m'occupe des questions d'aide pour leur réhabilitation. J'ai obtenu des aides très substantielles de la France pour la réhabilitation et la reconstruction du Cambodge. D'ailleurs, avant de partir de Paris le 25, alors le 24 octobre, je signerai avec son Excellence Bérégo Bois un accord d'aide française, c'est-à-dire à l'état du Cambodge de son Excellence Hun Sen. Mon peuple sait que je m'occupe de lui à l'intérieur du Cambodge. Alors je rappelle aussi que j'ai obtenu de la Thaïlande, de l'Australie, de beaucoup d'autres pays, je crois, du Japon, des États-Unis, d'Amérique, etc., des aides pour soulager les souffrances et privations de la population victime des inondations.
Les Cambodgiens à l'intérieur du Cambodge savent que déjà, sans attendre mon arrivée le 14 novembre à Phnom Penh, je m'occupe d'eux. Et très concrètement, j'ai obtenu déjà pour eux beaucoup d'aide. Alors, il paraît que selon Son Excellence Hun Sen, Premier ministre de Phnom Penh, là, il paraît qu'il y aura 1 million de Cambodgiens là, qui se déplacent même des provinces pour m'accueillir, pour, si possible, m'embrasser. On ne pourra pas embrasser tout le monde. Alors j'ai demandé une auto décapotable pour que je sois vu de tout le monde, mais Son Excellence Hun Sen dit qu'il craint des tirs là, isolés, tout cela, qui pourrait, n'est-ce pas, m'atteindre comme ça a été le cas du président Kennedy, tout ça, mais je préfère franchement une auto décapotable, n'est-ce pas? Le destin, on ne peut pas lutter contre le destin. Si on ne doit pas mourir, on ne mourra pas. Si on doit mourir, on peut mourir aussi, vous savez, en chemin de fer. Ce qui s'est passé malheureusement récemment, on peut mourir en auto pour aller à la galerie Lafayette, par exemple, n'est-ce pas? Non. Pour moi, vous savez, et puis il y a des gens qui ont voulu ma mort, mais on me retrouve toujours là. Les Américains, ils m'appellent l'incoulable. Et il y a la CIA qui avait voulu me rouler, mais enfin. Je suis incoulable jusqu'ici, enfin, comme les Français le font, je touche du bois. Hein. Voilà mon message, je crois que, étant donné que je n'ai jamais perdu contact avec mes compatriotes, où qu'ils soient, le message est celui que je viens de vous rappeler. Monseigneur, avant de vous laisser à la communauté cambodgienne, est-ce que vous nous permettez pour une fois de demander à la princesse Monique quels sont ses sentiments après autant de drames, après autant d'années insupportables pour le peuple cambodgien, le sentiment dans qu'elle a avant de revenir au Cambodge? Ayant beaucoup souffert, mais ayant toujours lutté pour la juste cause du Cambodge, à mes côtés, ma femme naturellement est très émue et extrêmement heureuse de retrouver le Cambodge. Non, elle refuse absolument, n'est-ce pas, de donner une conférence de presse. C'était juste un mot, monseigneur. Oui. Non, vous êtes des Français, vous êtes. Elle est un peu française aussi. Je voudrais bien qu'elle vous parle, n'est-ce pas? Et vous êtes ses admirateurs, je pense, je l'espère. Qui n'admirent pas la princesse Monique. Bon, alors tu leur parles à ces charmants. Nous étions ensemble en 70 au moment du coup d'État. Oui. Cela fait quand même 21 ans, que des preuves depuis. Oui. Alors, que ressentez-vous aujourd'hui? Je suis très émue, bien sûr, et j'aimerais que cette fois-ci, le retour au Cambodge soit pour de bon, que tout le pays, tout le peuple cambodgien puisse connaître enfin la paix pour toujours, que nous puissions vivre comme les autres pays, que nous ayons une vie paisible, que nous puissions reconstruire notre pays, et qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de souffrance, qu'il n'y ait plus de ces malheurs pour notre peuple. Mon souhait le plus cher, c'est ça. Je vous remercie. Je suis très émue, je ne peux pas. Merci, princesse. Peut-être est-il temps maintenant à nos amis journalistes de se retirer, car nos amis compatriotes, les compatriotes aimeraient que cette fête privée commence. Nous allons bientôt passer l'hymne national. Nous remercions en avance nos amis les journalistes de se retirer. C'est pas la peine de leur demander de se retirer, il faut rester, mais il faut filmer. Non, elles sont les bienvenues. Nous inaugurons la démocratie libérale, alors si nous commençons par chasser la presse, c'est pas très honorable, n'est pas très honorable. Maintenant, il faut que la presse soit libre et je dois lui annoncer que l'accès du Cambodge désormais est libre. Donc, est libre, il n'y aura pas de liste noire. Les sorties et la durée de vos séjours
c'est à vous de prendre des décisions à ce sujet. Ni le Conseil national suprême, ni le gouvernement en place n'ont le droit de s'opposer à cela. Parce qu'ils m'ont promis solennellement et par écrit que nous sommes une démocratie libérale. Alors, qui dit démocratie libérale, dit liberté absolue. Alors, je vous prie de noter que désormais, vous n'aurez plus aucun problème avec le Cambodge. Alors, je m'en porte garant. Merci. Voilà. Merci. Alors pour commencer, il y a seulement une chose que nous ne pouvons pas vous offrir, c'est le déjeuner, parce qu'il y a un millier de compatriotes qui protestent encore parce que le Sofitel est grand, mais il n'est pas assez grand pour contenir tous ceux et celles qui veulent avoir une table. Alors c'est la seule chose que nous ne puissions pas vous offrir, mais vous pouvez rester à loisir avec nous. Voilà, vous ferez ce que vous estimerez devoir faire dans le cadre de votre profession si honorable, si respectable. Merci infiniment. C'est la table du Conseil national suprême du Cambodge. Son Excellence Hun Sen n'est pas encore arrivé, mais le gouvernement de l'État du Cambodge est représenté par Son Excellence Aung San Suu Kyi. Et la résistance est au complet, je crois. Je crois que la résistance est au complet. Norodom Sihanouk, Pratian, Trompusajia, Jumpo, Trompan, Ram Chasapai, Norodom Sihanouk, Pratian, Trompan, Aklo, Iodom, Lupin Peel, Daji, Samajit, Samajita, Trompusajia, Jumpo, Trompan, Aklo, Lupin Peel, Trompan, Aklo, Lupin Peel, Trompan, Aklo, Lupin Peel, Trompan, Aklo, Lupin Peel, Trompan, ในประเทศกัมพูชาได้ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិចំពោះក្នុងក្នុងកាសនេះសូមស្វាគមន៍សូមចម្រើនពរសូមជូនពរសូមសម្ដេចព្រមទាំងព្រមចាស់ស្រីជាប្រជាជាតិព្រមទាំងអស់លោកកៅដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់សូមបានជួបប្រទះ
ແລະເພິ່ນກໍຕ້ອງຕະບວນປະການຄືອາຍຸວັນນະສຸຂະຕະເລຈະຈຸມສົບສະບາຍສົບປະດົມລົມເລຍມາຄົນມະຫາໂຣສາຈິດຄະໝາຍໄດ້ລະບານຕຕວນໃນສັນຕິພຽບອອກການຈະໄດ້ນິຍາມຕໍ່ຢູ່ເພິ່ນມະຫາການຸນິໂກນາໂທຫິຕາຍາສາປະປານິນັງ ภูเรภาปารมีสัมปันโตสัมโพธิโมตตมังเอเตนะสายวาจเณโหตุเตยยมังคลังยะยันโตโมริยามูลิสัพยานังนันติวัฒโนเอวังควังวิทโยยะยะสุยยมังคลิอัปปาราจิตตปัลลังเก สีเสปาตวิโปกะเรอภิเสเกสัมมะพุทธานังอะกัปปะโตปะโมตะติสุนัขตังสุมังกะลังสุปะภาตังโสติตังสุขานุสุโมโตจะสุเยตังรัมมะจาริสุปะดะภินังกายกัมมังวาจากัมมังปะดะภินัง ពីសាច់នេះលោកប្រធានអ្នកទៅពេទ្យក៏មានសុំលោករៀបចំសាច់ពីសុំប្រព័ន្ធណាចាត់ទុកចាយគេថ្វាយសម្តេចចាស់300ដុល្លារអាមេរិកសប្បាយណាស់ចាំចាំចាំផ្លាច់ពងផងហើយសារផងលោកតាជាងទៅជាមួយខ្ញុំកូនតាទៅភ្នំពេញ ក្នុងនាមនៃលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយនៃខ្ញុំម្ចាស់នៅក្នុងនាមមហាគ្រូសាខ្មែរដែលនៅទីនេះខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្លែងនៅអំណរព្រះគុណជាពលឹកបាយដែលកើតឡើងនៅអ្នកនាមព្រះរាជាដែលបានប្រទានដល់ទូលព្រះមង្គលយើងខ្ញុំនៅឱកាសដ៏ល្អប្រពៃដើម្បីទូលព្រះមង្គលយើងខ្ញុំជួបជុំគ្នា
សម្ដែងនៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយបាត់អបមាដោយបានជួបព្រះករុណានិងអ្នកមានព្រះរាជាហើយនឹងសេចក្តីគោរពដល់ជ្រាលជ្រៅព្រមទាំងទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដោយស្មោះស្ម័គ្រចំពោះព្រះករុណានិងអ្នកមានព្រះរាជាទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំ មានសេចក្តីរីករាយនៅពេលខាងមុខដល់ក្លែងនេះជាមិនខានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ1991នៅពេលដែលព្រះករុណាយើងចូលទឹកនាំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដំណើរឈ្មោះទៅរកសន្តិភាព មិនត្រឹមតែឈានទៅមុខប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងដំណើរនេះមានល្បឿនទៅមុខកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងនាមនៃបងប្អូនរួមជាតិយើងនៅទីនេះខ្ញុំម្ចាស់មានមោទនភាពកើតមកជាខ្មែរ ដែលមានអ្នកដឹកនាំដូចឆ្នើមនិងល្បីល្បាញទូទាំងសកលលោកដូចសម្ដេចអើយទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំរឹងរឹតតែមានមោទនភាពដោយបានប្រកាន់យកសិហនុនិយមរហូតមកដល់ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងសេចក្តីគោរពនិងកតញ្ញូតាធម៌ ចំពោះអ្នកមនាងព្រះរាជាដែលបានដង្ហើព្រះករុណាដោយសេចក្តីក្លាហានលើគ្រប់កាលៈទេសៈក្នុងពេលលំបាកក៏ដូចជាពេលសប្បាយទីបញ្ចប់សូមព្រះករុណានឹងអ្នកមនាងព្រះរាជាយើងក៏សល់ភ្លេងតន្ត្រីនិងស្ដេចយើងសោយប្រយាតាមព្រះហឫទ័យ Je remercie mes enfants bien aimés qui veulent bien préparer, n'est-ce pas, une séance musicale en mon honneur, mais je les prie de pouvoir retarder un petit peu le commencement de cette séance musicale afin de permettre aux distingués journalistes français ici présents de poser quelques questions à leurs excellences. Oui, à choix, le jeu de la démocratie et du pluralisme. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous dites? Le mouvement merveilleux, au moment où il a commencé à diriger le pays, a connu ce qu'on appelle Est-ce que cette nouvelle attitude que vous définissez aujourd'hui, comment expliquez-vous ce changement par rapport à ce qui a été votre politique dans le passé? Je vais féliciter, mais aussi,
qu'il y ait une réflexion politique d'ensemble de la part de vers le 10 novembre, donc et le problème, oui, je n'en ai pas encore. Je ne sais pas comment je pourrais faire, mais j'irai à... Hier, on en a arrivé. Hier, j'en ai rien, il m'a fait retirer et tout.
ฉันเคยถ้าออกวันเลยรีบเร็วบ้องมันใบจะเทเมียเมย์โชว์ช่องช้ำมันโดยเงียบเยือกสตาร์เบียตาบ่เบาตัวเชียวแต่รู้บ่สบีเมียนแดกคันใส่ชะตายวันเอ้ยบ่ส
sabay ruwa pambang kay kun lodoy mamnon yo mo kia kukra lutra hawasa Thank you.
Oh,
à la gloire du Cambodge, qui recouvre avec la paix et l'unité nationale son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale, sa dignité et son honneur. Alors permettez-moi aussi de voir à la gloire de la France qui nous a tant aidé dans ce processus de paix en faveur du peuple cambodgien, à la liberté, au bonheur, à la prospérité de notre peuple bien-aimé, le peuple cambodgien, à votre santé, à votre bonheur, à tous et à toutes. Merci de tout mon cœur.
why go some like you but here. Some go rock, I long, look to deal. Oh, look, man, the hot. The barn with me and the dinner. Dear, but Tom, some are good, throw some name. Met the same day or pair. Some are good, look to deal, I long just too long. The barn. ហើយយើងខ្ញុំមកជួបជុំនៅទីនេះដើម្បីនឹងគោរពសម្លេចប្រធានតង្គុនបានទទួលមេរៀនមួយនៅម៉ានីសពលោកជាណានអមលោកលោកមានប្រសាបដាលតង្គុនថាបើកាលណាធ្វើសន្និកថាកុំធ្វើវែងពេក ពីព្រោះធ្វើវិញពេកដល់គេចាប់ដែរនឹងគេថាគេធូរហើយពីព្រោះនេះចុះពេកបានខ្ញុំក៏ណាស់ចាំតង្គុនលោកចាំលោកចាំពីនឹងបាទតង្គុនសូមអនុញ្ញាតគឺថាទាំងអស់គ្នានៅនេះជាដើមបញ្ញវន្តដែលខ្ញុំក៏ណាស់បានជួបនៅទីនេះបានប្រាប់តង្គុនថាសូមអរគុណជួបជាផងនៅគុណសម្ដេច ដែលបានដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរដោយអើឃើញតោះគ្នាមានសង្ឃឹមតែតាំងតិចទៀតណាបានទៅស្រុកខ្មែរតោះគ្នាហើយចំណែកទូលមកគុណជាខ្ញុំទូលមកខ្ញុំបានស្ដាប់ចម្រៀងហើយបានបងបាត់បងយូរហើយ អមអមមិនចាស់ចាស់ដល់មិនចាំបាត់មិនចាំពាកពេកចាស់កូនចាំមកទេកូនចាស់កូនជាចាស់ចាំកូនជាជូនសម្ដេចណាមួយទៅយើងបាត់ដំបងអមបាត់ដំបងមិនដូនចិត្តអើចាស់ខ្ញុំបងបាត់ដំបងតាំងពីចិត្តសម្ដេចមិនតាន់បានទៅយូរណាស់ហើយបើតាឥឡូវដោយសម្ដេចដឹកនាំ มันจำบัตรเตอร์บัตรน้องเตอร์ขนมปิ้งตับรองขอบคุณนะช่องตอนนั้นตังคุณส่งขนมเนียมบองโป้งโรเชียต่างอ้อเดินสองสามนี่เจียดด้ามขนมเนียมปัญญวันส่งเทรย์ขนมกุลดอกเชียงจันทร์ถุงพวกสำหรับจิมจ้าบองแต่อ้อลูกเนี่ยเดินสมัชชิกขนมจัวกรองภาษาเทียด ដែលថ្ងៃនេះតោះគ្នាបងជាតង្គុនដែរសូមថ្វាយសម្ដេចជាប្រធានមានព្រះបន្ទូលជួនអង្គប្រជុំប៉ុន្តែទូលអង្គជាខ្ញុំដោយសារតើបានត្រួងសាមណេរសូមអនុញ្ញាតអាចជាចំទៅយកតង្គុនក៏បានមានកិច្ចបន្តិចដែរបានសូមអនុញ្ញាតដែលតែនិយាយបានសូមថ្លែងអំណរគុណក្នុងនាម បងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះនៅប្រគុណសម្ដេចនាំឲ្យយើងតោះគ្នាថ្ងៃ28នេះបានចុះហិច្ឆតិកានៅកិច្ចសន្យាមួយនឹងនាំឲ្យយើងខ្ញុំទៅពេញតង្គុនមានសំខាន់សេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយទេបើទៅពេញនេះគឺថាសុខស្រួលគ្នាមែនតើរួចហើយក៏បាននៅសពខ្មែរជាខ្មែរខ្មែរជាក្នុងសមាជិក សំដែលមកធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងទីប្រសាជាតិចតពោះហើយដល់បីនៅក៏សាងសពលើវិញពីព្រោះការក៏សំសេរសពខ្មែរនេះមិនមែនស្រួលទេហើយដូច្នេះមកទូលគុំជាខ្ញុំខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជាដើមបញ្ញវន្តដែលមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះបន្តិចទៀតហ្នឹងបើសម្ដេចជាម្ចាស់បានសម្ដេចទៅពេញហើយយើងខ្ញុំក៏សូមហៅតាម ព្រោះតែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានចំណេះជាកូនសំជើងទៅដើម្បីកសាងសពយើងឲ្យបានគុំតកើងឡើងវិញខ្ញុំក៏ណាតង្គុនក៏សូមអរគុណទុកជាមុនដល់ជ្រាលជ្រៅដោយភើបជាទីបំផុតជួនចំពោះបងប្អូនផងចៅប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលលោកមេត្តារៀបចំតាក់តែងនៅកម្មវិធីនិងបដិសន្ធរកិច្ច
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ខ្មែរយើងណាមិនចាំបាច់ទៅថានៅជាខ្មែរឬក៏ទៅជាបារាំងទៅជាអង់គ្លេសទេបើចិត្តខ្លៅនៅទៅជាខ្មែរស្មោះត្រង់នឹងជាតិគឺថាឌូបណាសិយណាលីតេក៏ដោយត្រីប្លូណាសិយណាលីតេក៏ដោយវានឹងតែខ្មែរតដែលចា
ខ្ញុំមិនកាន់អំណាចទេខ្ញុំមិនកាន់អំណាចទេដូចជាកូនចៅមេត្តាអោយទៅហើយអោយគ្នាទៅហើយជាពេលវេលាទេមកថាស៊ីលីបេរ៉ាលខ្ញុំមិនកាន់អំណាចទេដូចជាតែខ្ញុំមិនត្រូវការអីទៅបច្ចេកវិទ្យាទេខ្ញុំជឿថាវាមិនចារកម្មទៅអោយ
ជាបាយកជួនសម្រាប់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រអានឹង 26 ឆ្នាំដល់ចំណែកតើមើលអាយុទៅទៀតវិញគ្មាន
Dans le cadre de la renaissance de notre Cambodge. Yeah. C'est bien. Absolument.